Eh bien, moi, très honoré de remettre tes distinctions à le sort. Le sort, c'est Adam Lojam, représentant celui qui a créé la bonne raide. C'est-à-dire, des mamans qui partaient nécessairement venir de la GEM, mais qui étaient dans ces quartiers à Fort-de-France, qui étaient vives décembre 59. Et décembre 59, c'était un déclencheur de prise de conscience, c'est Bayo. Donc, c'est né nous. Et là, nous t'avons dit tout à l'heure que c'est décembre 59, nous mangeons racine décembre 59, c'est parce que génération moins, qui venait un peu après Tamal Sahara, eh bien c'est décembre 59, c'est l'histoire qui nourrit militantisme nous et qui poussait nous à engager comme nous. Et d'ailleurs, le premier acte militant nous fait, c'était commémoration décembre 59, mais ni plus de 40 ans de ça. Enfin, en tout cas, merci de ça. C'est puis en lot l'honneur et le respect, nous quand même tous les distinctions. Merci camarades, merci patriotes, merci Maurice Carole. Petit objet là, on a considéré beaucoup. Car depuis l'affaire de Lojam, on ne nous a jamais reçus comme vous le faites aujourd'hui. Mais je fais un petit point sur l'histoire de la banderole. Nous étions un groupe de jeunes de rive droite. Après chaque match, le dimanche matin, couloir, nous avons réuni nous. Et nous avons discuté sur la situation du pays. Politique, économique et sociale. C'est comme ça que nous arrivons à constituer un groupe nommé Bandred. Mais avec un esprit de vengeance contre les autorités. Et ensuite, un camarade beaucoup plus avancé intellectuellement que nous, qui est la personne d'Henri Armongan qui n'est pas présent, a voulu politiser et aller plus loin et a élargi son groupe et notre groupe Bandred un dimanche matin lors d'un match de couloir. Alain Cadoré vint sur la savane en tenue sport qu'il annonça l'arrivée des étudiants de la GEM. Et c'est de là Victor Tisserand, Romul Vadeleu, qui est ici présent, membre de la Banred, et à Omogon, nous nous rendons à Sainte-Marie et nous prenons contact avec les gars de la GEM. Moi, je suis resté dans la voiture avec Romul Vadeleu. Et Victor Tisserand et Armogon sont allés discuter avec les gars de la GEM. C'est à partir de là qu'ils se sont décidés de créer l'OJAM. Mais ma cadisote, faire la révolution, ce n'est pas une petite affaire. Mansi est là, Dufond est là. Les autres camarades qui n'ont pas connu les forces policières, comment qu'ils exercent sur les militants, eh bien, moi, quand des autres, moi, passé de durs moments avec eux. Je n'ai pas besoin d'inversion sur la gendarmerie de Fort-de-France. Quand on m'a arrêté, c'était pour être entendu en tant que témoin. Arrivé à la gendarmerie de Fort-de-France, ils avaient déjà préparé une salle, une table, une chaise
et 4 gendarmes autour de moi et me bouscula. On a dit que vous détenez des armes, le dépôt d'armes que vous a envoyé Fidel Castro. À tour de rôle, chaque monde a bousculé moi. On m'a amené un papier, un stylo pour écrire. Et ils m'ont dit d'écrire ce que je veux. J'ai écrit, après, ils se sont rendus compte, concernant la fiche dogmatique et technique, je n'étais pas l'auteur. Ce n'est pas celui qui avait écrit la fiche dogmatique. Après, ils m'ont enfermé dans une pièce à côté. Les 4 murs sont tapissés d'excréments et une bombe remplie de pus corrompues. Le soi-disant lit pour me détendre était lui aussi tapissé d'excréments. Ça se passe dans la soirée du lundi 24 février. Le 25 février, ils m'ont emmené sur une salle qui donnait vers le boulevard Allègre. Et c'est là que commença le grand bousculade. Ils m'ont frappé. J'ai jamais dit ça aux camarades. Ma chemise était couverte de sang. Et j'ai jamais dénoncé quiconque. Et pourtant, je savais bien les choses. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je vous porte ce témoignage. Il fallait bien que vous sachiez quelque chose de l'OJAM. Mais ce n'est pas tout. Il y a pas mal de choses à connaître concernant l'OJAM. L'OJAM a une grande histoire. L'OJAM a une grande histoire, mais je crois que chacun de nous doit écrire son mémoire. Je m'arrête ici. Merci Toto. Merci Francis.